Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur Noelia's Cooking et aujourd'hui, nous allons faire la fameuse sauce à demi du 228. Voilà, je vous présente les feuilles que nous allons utiliser pour faire notre sauce à demi. En français, nous les appelons corettes potagères et ces feuilles ont tellement de noms dépendamment de la région où elles sont préparées. Sans plus attendre, je vais vous présenter le reste des ingrédients. On aura besoin des piments verts, des crevettes fraîches, de poissons fumés, du sel, du bouillon d'assaisonnement, un mélange d'épices passe-partout, du bicarbonate de soude, des gousses d'ail, du gingembre, de l'oignon, du piment rouge en poudre, des piments bananes pour aromatiser et de l'huile rouge. Voilà, je commence par assaisonner les crevettes avec du gingembre, de l'ail, du poivre noir, du sel et du bouillon d'assaisonnement. Ensuite, je vais nettoyer mes légumes. Je les ai lavés une première fois avec de l'eau salée et deux fois de suite avec de l'eau simple du robinet. Je vous laisse donc suivre la suite et on se dit à tout à l'heure. Maintenant que les poissons et crevettes sont déjà prêts, nous allons les réserver et commencer la sauce proprement dite en portant à ébullition une petite quantité d'eau. Ensuite, j'ajoute un peu de bicarbonate et les feuilles que j'avais déjà lavées. Alors, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Là, je laisse les feuilles cuire jusqu'à devenir tendres avant de commencer par battre la sauce. Je bats la sauce quelques minutes et juste après ça, je vais rajouter les poissons, crevettes, gingembre, oignons, piment en même temps pour que le gluant ne se coupe pas.
Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tuto. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout abonnez-vous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!